L'exposition 70 ans de cinéma qui se tient actuellement vient nous rappeler que c'est aux frères Auguste et Louis Lumière que l'on doit ce qui devait devenir le cinématographe. Une attraction qui fit courir tout Paris, la première en date des bandes d'actualité filmées, étant la célèbre sortie des usines Lumière. L'appareil du chasseur d'images d'autrefois est devenu entre les mains de l'opérateur d'actualité d'aujourd'hui et avec le concours des moyens modernes de locomotion, une machine à écrire l'histoire. La presse filmée était à l'Élysée pour fixer sur la pellicule le premier ministère du second septennat où, à côté d'anciens comme M. André Malraux et autour de M. Georges Pompidou, premier ministre, figure M. Michel Debré qui prend en main les affaires économiques et financières, M. Edgar Faure qui prend le portefeuille de l'agriculture et M. Yvon Bourges qui devient secrétaire d'État à l'information. Mais remontons le temps comme nous le permettent les films où sont inscrites les scènes du passé, dont certaines sont exceptionnelles. Ainsi, à Washington, à la fin du siècle dernier, l'élection du président McKinley qui périra tragiquement en 1901. On voit ici à son côté Theodore Roosevelt qui lui succédera. Theodore Roosevelt, dont le cousin Franklin Delano sera lui-même plus tard président des États-Unis. Document exceptionnel encore que ce groupe, où autour de la reine Victoria, cinq générations de la famille royale d'Angleterre sont présentes. À droite, le personnage qui caresse le chien, c'est le futur Édouard VII. Derrière, le futur George V. Et au premier plan, un enfant qui sera un éphémère Édouard VIII, le futur duc de Windsor. Extraordinaire encore cette scène où le président Kruger essaye en Angleterre une mitrailleuse qu'il retournera d'ailleurs contre les Anglais pendant la guerre des Boers. L'affaire Dreyfus. Sortant de la prison où le capitaine est détenu, Madame Dreyfus est le dernier du groupe Émile Zola. C'est l'unique film de lui que l'on possède. Le pape Léon XIII, dont le pontificat a duré 25 ans. Léon XIII, auteur de l'encyclique Rerum Novarum, et qui lutte inlassablement pour la justice sociale et une meilleure condition des travailleurs. Paris 1900, les boulevards du temps des omnibus et du piéton roi, et le Moulin Rouge qui symbolise à lui seul la capitale et ses plaisirs. C'est l'époque où le cinéma présente les premières comédies filmées. Sénette a trois personnages, dont l'inévitable belle-mère. Une époque où le sexe fort savait encore se faire respecter. La reine de ce Paris 1900, la belle Otero. Mayol à droite en compagnie de Paulin. Sarah Bernard, la grande, l'incomparable Sarah, le monstre sacré de la scène. Un document encore, le duel fameux qui opposa Pierre Frondet à Jean Richepin. D'Amérique, une trouvaille du génial Edison, la table tournante ou le self-service avant la lettre. C'est après avoir mangé à cette table que Henry Ford aura l'idée d'installer la première chaîne de montage pour automobile. Grâce à Edison, les Ford vont passer de la construction artisanale au stade industriel. Pendant ce temps, l'histoire suit son cours. À Saint-Pétersbourg, le tsar Nicolas II, la tsarine, les grandes duchesses, dont la petite Anastasia. Les caméras enregistrent les derniers fastes de cette cour, dont le destin s'achèvera dans les caves de la sinistre maison Hypatiev. Elle filme aussi le Kaiser aux manœuvres, et il y a beaucoup de manœuvres. Elle filme le vieil empereur d'Autriche, François-Joseph. Jaurès à Berlin, auquel le Parti social-démocrate affirme qu'il s'opposera à la guerre. On est en juillet 14. Un mois après, c'est la guerre. On part en chantant, de part et d'autre. Les casques à pointe et les pantalons rouges. Et pendant 4 ans, on se terre. Pendant 4 ans, on s'épouse. Mais pendant 4 ans aussi, on meurt. Octobre 1917, la révolution russe fait table rase du tsarisme. Et c'est Lénine qui galvanise un peuple. C'est Trotsky et déjà présent Mikoyan. 1918, à Paris, on est tout à la victoire.
Les années folles commencent. Maurice Chevalier, Miss Tinguette. Le cinéma devient un spectacle, avec Charlot et d'abord Max Linder. Max Linder qui fut peut-être l'inventeur du gag cinématographique. Ce sont les superproductions hollywoodiennes. Le cinéma devient une industrie. Et le fils du chèque, Rudolf Valentino, fera se pâmer les femmes. 1922, Mussolini, en haute forme, invente le fascisme. Cependant, à Locarno, Aristide Briand conclut avec Stresemann l'accord qui devrait faire régner la paix définitive. L'heure n'est pas au souci et Joséphine Baker peut danser le Charleston. Les années passent, c'est la catastrophe du Zeppelin Hindenburg, le dernier service commercial des ballons dirigeables. Le 9 octobre 1934, Louis Barthou accueille le roi Alexandre de Yougoslavie. Les opérateurs filment l'assassinat. Une ombre inquiétante se profile sur l'Europe. C'est l'Anschluss. L'Anschluss qui sera célébré dans une singulière allégresse. L'Anschluss et la suite. Et les caméras enregistreront la misère. Et le champignon atomique qui marquera le début d'une nouvelle ère. Mais le cinéma n'a pas fait que fixer l'histoire. Avec Marais, il avait déjà décomposé le mouvement. Avec Noguès, il a, en 1914, donné ce magnifique ralenti de la foulée de Jean Bouin. Puis ce fut la libellule filmée à 5000 images secondes et la crevaison d'une bulle de savon filmée à 8000 images secondes. Capable de ralentir le temps, le cinéma put l'accélérer et faire pousser les plantes ou éclore des fleurs en quelques secondes. Le docteur Commandon, qui dès 1914 pratiqua le cinéma microscopique, s'en servit pour mettre au point avec Pierre de Fonbrune la chirurgie de la cellule. Il y a quelques années, le cinéma pénétra dans le corps humain. En permettant de réaliser des radiographies en mouvement, il apporta une nouvelle précision au diagnostic. En 1935, il partait à la conquête de l'espace et permettait à Bernard Liotte de rendre visibles les protubérances solaires. C'est au cinéma que nous devons la première vision de la Terre à 1126 km. Accordons, en passant, une pensée aux petites chiennes qui ouvrirent aux hommes le chemin du cosmos. En même temps que l'homme s'y aventurait, le cinéma l'accompagnait. Et il ne fait aucun doute qu'il sera du voyage sur la Lune. Au reste, n'est-ce pas un des pionniers du cinéma qui avait imaginé l'art et la manière de se poser sur le satellite naturel de la Terre ? Quant au problème du retour qui préoccupe tant la NASA, Méliès l'avait déjà résolu au début du siècle.